Salut à tous les amis, bienvenue dans ce deuxième off de Je suis pas content. On va prendre un peu le temps de parler plus sérieusement aujourd'hui d'un sujet que je n'aborderai pas, donc dans Je suis pas content, vous connaissez le principe. Et ce sujet qui est beaucoup revenu sur les réseaux sociaux, c'est la relax de Jawad. Et oui, Jawad outragé, Jawad brisé, Jawad martyrisé, mais Jawad libéré. Et ça fait chier quelques personnes. Exactement comme dans l'affaire Menel, je pense qu'on est en face d'une énorme erreur de pitch. Au début, c'est parti comme une comédie, tout Internet s'est foutu de sa gueule, hein, avec ces histoires de mèmes, enfin, il y en avait partout, hein, on s'est tous marrés, et puis, à la fin, en fait, on s'est aperçu que c'était un drame. Bah oui, parce que le spectateur français, si tu veux, il a pris les habitudes, quoi, et il aime bien quand à la fin du film, bah, le méchant, il perd. Et hélas, pour beaucoup de gens, Jawad, c'est le méchant. En gros, l'affaire Jawad, c'est un petit peu à l'histoire judiciaire ce que la deuxième porte est au cinéma, quoi. C'est-à-dire que tout le truc, tu te dis, putain, c'est vachement divertissant. Oula, c'est ça la fin? Ah, ça finit comme ça? Oula, plus de budget à la Fox ou voilà, c'est un peu la même chose. Je pense donc qu'il est inutile de préciser hein, ce que la relax de quelqu'un comme Jawad, et ça, on abordera ça plus tard dans la vidéo, peut représenter en termes de potentiel... gros bordel, en fait, dans la société française. C'est typiquement le genre de grosse bombe, et en plus assez vicieuse parce que bombe à retardement. Faut dire que pour l'instant, il n'y a pas énormément de grosses polémiques ou de gros accidents qui sont liés à ce truc-là. Mais ça, c'est typiquement comme l'affaire Théo, en fait. Hein. C'est un truc qui peut ressurgir tous les 3 mois. Il suffit que le mec, il ait une embrouille, qu'on le retrouve dans une autre affaire, qu'il se fasse buter ou quoi que ce soit, et ça peut être la porte ouverte à, comme dirait l'autre, toutes les fenêtres. D'ailleurs, je dis que c'est un peu comme l'affaire Théo, mais c'est surtout un peu dans la période aussi. Parce que cette affaire-là, elle tombe dans une certaine période. Alors, entre l'affaire Théo, là, qui repointe le bout de son cul, enfin, de son nez, la petite turbanée, parce qu'elle est turbanée, finalement, elle est même pas voilée, cette fille, elle est turbanée, c'est de la cellophane, plus ou moins, qui se fait virer, donc, de The Voice, Tariq Ramadan, qui a ses problèmes de caquette, et là, le quatrième fantastique, donc, le Airbnb officiel de Daesh, là, donc, Jawad, et ben, bah, c'est, tu vois, tout ce que je viens de dire, t'as vu le potentiel amalgame? C'est ça le problème. C'est qu'il va y avoir des amalgames de tous sens. On est dans un bon contexte, là. C'est tellement propice aux amalgames. Je suis à deux doigts de me mettre un poste... Enfin, un pin, ça ne touche pas à mon pote. Julien Dresse va se rassurer. J'en suis là. Donc, c'est pour te dire où j'en suis tombé. Donc, je vous le dis cash, le but de cette vidéo, c'est ouvertement d'éviter la guerre civile dans ce pays. Voilà, c'est tout. C'est juste pour prévenir à quoi que ça va servir. Hein, parce que déjà que le connard avec la perceuse au-dessus, il commence à me casser les roustons façon grand choix. Si en plus, je me tape les tirs de calage dans le quartier, ça va être long. Hein, donc, c'est un petit peu égoïste, cette vidéo, mais on va essayer de faire en sorte que tout le monde, peut-être par intérêt personnel, ne se foute pas trop sur la gueule. Effectivement, depuis la relax de Jawad, on assiste un peu sur les internets et dans les bistrots de France hein, à deux grandes équipes, en fait. Ça se fout sur la gueule, mais c'est toujours, voilà, gentil, mais méchant, A, B, tout ça, mon cul, tu connais. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux équipes. Hein, d'un côté, l'équipe de ceux qui sont scandalisés, outrés, interloqués, étonnés, choqués, hein, tout ce que tu veux qui rime en et par cette relax. Et de l'autre, toute la team progrès, fidèle à elle-même, hein, bien évidemment. Moi, j'ai passé la soirée lors de la relax en direct sur les blogs du Monde. Et effectivement, ça s'est énormément félicité. Fait avec 8L, autant que tu veux. Ça s'est félicité de la relax de Jawad. Énormément, parce que la justice n'a pas cédé aux pressions de... la fachosphère, bien évidemment. Alors, je vais commencer par vous en mettre un tout petit peu plein le museau pour pas un rond, puis, t'inquiète pas, ensuite, l'équipe d'en face prendra. Ça n'a aucun rapport avec la fachosphère. Aucun. Je vous explique, il y a beaucoup plus de gens dans ce pays à l'heure actuelle qui sont tout ce que je t'ai dit en haie, là, étonnés, interloqués, oh, qu'est-ce qui s'est passé, hein, par cette relax que la simple fachosphère. Non, même les associations, par exemple, de défense de la mémoire des victimes, hein, s'interrogent. Et elles ne sont pas en s'interroge en mode comme au bistrot, tu sais, genre, ah, il était. Non, non, je respecte la décision de justice, mais bon, ça. Le dessert, il était lourd, hein, c'est comme l'histoire de la 9e porte. Non, eux, car les associations de victimes, elles dénoncent un certain laxisme. Hein, donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez aller leur expliquer qu'elles sont nazies? On va arriver à ce niveau d'indécence? Je ne pense pas, et je ne l'espère pas, d'ailleurs. Le deuxième problème avec cette question, j'en progresse, c'est que tu poses une question qui n'a absolument aucun sens. La question sous-entendue là-dedans, c'est est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'il est innocent? Et tout le monde se fout sur la gueule pour savoir s'il est coupable ou s'il est innocent, alors que c'est la dernière des questions à se poser. En réalité, et là c'est mon opinion personnelle que je vais tenter d'expliquer et d'argumenter, Jawad est à la fois coupable et à la fois innocent. Il est innocent pour la justice française, mais il est coupable pour le peuple.
Alors, je vous arrête tout de suite. Oui, non, non, mais l'argument est légitime. Je ne parle pas au nom du peuple comme font tous les hommes politiques. Je dis que pour une partie du peuple français, et je ne vais pas dire une petite, une moyenne, une grande, ou je sais pas quoi, parce que je vais encore me faire casser les couilles par Jean Chiffre, qui va arriver avec son copain Jean pas d'amalgame. Ah, mais qu'est-ce que t'en sais que c'est petit? Qu'est-ce que tu sais que c'est moyen? Qu'est-ce que tu sais que c'est gros, que c'est de majorité de... Hein? Bah, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et donc, vu que j'ai pas envie de me le taper sur les roustons, ce que je vais faire, c'est que je vais dire une partie suffisante en tout cas du peuple français pour que ça puisse créer des clivages qu'on voit maintenant apparaître. Ce qui m'a intéressé dans cette vidéo, c'était donc d'essayer de comprendre le point de vue et les arguments de ceux qui le définissent comme coupable, indépendamment de la décision de justice. Et quand je dis indépendamment, c'est indépendamment dans sa totalité. Il y a énormément de gens qui se disent « Bon, ben, je pars du principe que la justice fait bien son travail, néanmoins, même s'il est innocent dans cette affaire-là, je n'arrive pas, moi, à le mettre du nombre des innocents, ce Jawad. Je parle là des innocents au sens girardien du terme. Attention, je ne dis pas justement que Jawad est un bouc émissaire. Le bouc émissaire est une figure expiatoire qui, en général, est innocente. Là, ça marche pas, justement. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a une partie de la population qui considère qu'aux yeux de la société, il fait partie des coupables. Le premier argument qu'on entend, c'est son palmarès judiciaire. Et je dis bien palmarès parce que là, c'est... Il a tout fait, il a tout fait. Prends un code pénal, regarde un truc, il a fait ça? Non? Ah bah ça alors c'est bon, on peut le rayer. Dans ce sens-là, ça ira plus vite que d'essayer d'énumérer tout ce qu'il a fait. Hein. Mais on va quand même le faire. Bon, en vrac, proxénétisme, violence aggravée, ça veut dire qu'il a laissé des mecs dans des états, c'était des steaks cachés, vraiment. Hein. Puis il y a des histoires d'agression à la machette, de meurtre pas élucidé, il y a plein de choses. Mais sur ce qu'on sait, on a quoi d'autre? On a violence conjugale. Mais pas aggravé, t'as vu? Il y a un peu d'humanité. Quand c'est sa meuf, il lui coupe pas les jambes. Il lui casse juste les genoux. Ouh! Tu vois, le mec est indéfendable. Faux et usage de faux, conduite en état d'ébriété, trafic de stupéfiants, bien évidemment, revendiqué à la barre. Le mec a dit à un moment à la juge, vous me faites perdre mon temps, le temps c'est de l'argent, j'ai un business de cocaïne, il va pas se faire tout seul. Donc c'est quand même assez consternant, le mec n'en a rien à foutre jusqu'au bout. Je rappelle aussi que pendant son interpellation, il a agressé plusieurs des policiers, il a fait couper le procès à plusieurs reprises puisqu'il hurlait dans tous les sens, et il a détruit une cellule de garde à vue et du matériel administratif. Sauf que, en dépit d'un casier judiciaire aussi long que la bite de Rocco Siffredi, qui fait probablement rougir de jalousie Patrick Balkany lui-même, nous vivons dans un pays où la justice repose sur des principes. Et parmi ces principes, il y en a un auquel je suis particulièrement attaché, c'est « quand on a payé, bah on a payé ». Alors attention, il existe plein de variantes, hein, de variables à ce principe, comme par exemple bah, le sursis, justement, qui à un moment peut se transformer en prison ferme, ou les peines planchées, qui reviennent assez souvent dans le débat public. Je suis pas du tout en train de dire que je suis attaché à une justice laxiste. Bon, après, à titre personnel, je sais pas si je considère que la justice française est laxiste, par contre, je considère qu'elle est complètement partiale. Et comme des millions de Français, je commence à en avoir plein le cul de voir des députés être relâchés alors qu'ils ont détourné des millions d'euros, et de voir des SDF prendre de la prison avec sursis parce qu'ils ont volé un steak haché ou une boîte de raviolis. Néanmoins, je ne suis pas un adepte de la loi du talion, et le problème du ni pardon ni oubli, c'est que ça empêche les gens de se réinsérer, et je préfère avoir une justice qui leur donne une possibilité de se réinsérer, car le but de la justice française, en effet, n'est pas simplement de condamner, mais théoriquement d'aider le citoyen à la réinsertion. Ça veut pas dire qu'ils font assistante sociale, ça veut juste dire qu'à un moment, ils regardent le peuple et ils disent « bon bah voilà, là, en tout cas, le dossier, il est réglé, le type a payé, donc maintenant, on lui laisse le bénéfice du doute », qui permet une réinsertion. Sauf que pour que cet argument marche, bah, il faut que l'individu ait réellement envie de se réinsérer. Alors on va laisser ça de côté pour quand même marquer un point, c'est que Jawad représente quelque chose. Il représente l'échec de la justice. Double échec de la justice parce qu'il représente a priori l'individu type qui ne peut pas être réinséré. Donc la justice a failli dans... pour certains, sa mission de condamnation, parce qu'on peut estimer qu'un individu incarcéré à de multiples reprises n'a rien à faire en liberté, mais en tout cas, une chose est sûre, elle a failli dans sa mission de réinsertion. Quand on va dans un procès et qu'on dit à la juge que vous nous faites perdre de l'argent, moi et mes potes, sur notre business de cocaïne, on ne peut pas estimer que la volonté de réinsertion soit au cœur de son projet personnel. Et c'est ça le point qui est important, l'attitude qu'il a eue à son procès. Et là, effectivement, ça prend une dimension un peu étrange. Parce que, honnêtement, hein, je vous avoue, moi j'ai un spectacle qui sort dans pas longtemps,
Je pense que je vais lui piquer des vannes. Jawad Ben Daoud, qui porte aujourd'hui une veste de survêtement jaune poussin, est toujours aussi excité, aussi volubile. Ses répliques, vous l'avez dit, dignes d'un sketch ou d'un one-man show, sont trop nombreuses pour être citées, comme quand il raconte que le soir du 13 novembre, il dansait sur du Claude François dans une Toyota Yaris louée par un pote, ou quand il passe 5 minutes à parler d'un sandwich escalope boursin, ou encore quand il explique qu'il n'aurait jamais pu héberger des terroristes parce que, je le cite, pour moi c'est comme pêcher une baleine dans une piscine, est-ce que c'est possible? Moi je vous dis non. Jawad Ben Daoud qu'on sent toujours sur la brèche, hein, à fleur de peau au bord du dérapage et qui a provoqué une suspension d'audience en traitant un avocat de voleur de mobilette et en lui proposant d'aller s'expliquer dehors d'homme à homme. C'est ça le problème, c'est qu'on aura toujours un Jean pas d'amalgame du terre-terre de service pour aller nous expliquer que oui, non mais tu peux pas savoir, peut-être que dans son petit cœur de terroriste il y a une... Bon, d'accord, ok, si tu veux. Mais quand on voit l'attitude qu'il a priori, ça témoigne pas d'une volonté d'être réinséré. Mais là aussi, j'avoue que ça ne me paraît pas suffisant, en tout cas pour moi, pour le juger comme un coupable en soi, dans l'absolu. Coupable socialement, j'entends. Pourquoi? Parce que, bah... On condamne pas des gens parce qu'ils font des blagues à un procès. Je veux dire, à un moment, l'histoire de France, d'ailleurs, regorge de figures qui pourront être adulées par certains, d'individus qui ont dit « fuck » à la justice et qui n'ont pas pris leur procès au sérieux. Et d'ailleurs, on peut aussi considérer, beaucoup de gens le considèrent, que ce qui donne la valeur de nos sociétés, c'est qu'elles n'exécutent pas ou n'enferment pas dans des camps par principe bah, ceux qui ne sont pas d'accord avec elles et même ceux qui ne respectent pas son autorité. Vous l'aurez donc compris, je n'étais pas a priori parti pour me ranger dans le camp de ceux qui le déterminent comme coupable. Jusqu'à ce que je me rappelle d'un truc. Ce dont je me suis rappelé, c'est que tout le monde là est en train de dire c'est scandaleux la façon dont il a traité l'institution judiciaire, il fait des blagues, il fait des pirouettes, le mec il salue le public, il fait des clins d'œil, c'est absolument n'importe quoi, mais toutes ces petites blagues, là, ces escalopes boursins, ces conneries de Claude François, à qui il a fait ça? Il a pas fait ça à quelle institution judiciaire? Il a fait ça au parti civil qui était là. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que ces 200 partis civils là, enfin on le dit, mais on le rappelle pas, et on n'en prend pas la mesure, ce sont les parents des victimes des attentats. Et là, tac, ça, tout de suite, la perception change. Il a été capable de faire ça. Il a été capable d'arriver en survêt jaune et à faire des blagues sur les escalopes boursins aux gens qui ont perdu des enfants dans des attentats commis par des gens qu'il a hébergés. Je considère que c'est, en tant que citoyen, puisqu'encore une fois, je ne juge pas de sa culpabilité pénale, je juge que ça s'appelle de la complicité de terrorisme. Je juge que tu es complice de terrorisme parce que cet acte, si c'est un acte de terrorisme, la définition du terroriste, c'est qu'il terrorise. C'est-à-dire que bien après avoir été commis, il continue à engendrer de la souffrance et de la peine. Et en faisant ça, tu as continué et participé à l'engendrement de cette souffrance et de cette haine. C'est pour ça que tu es complice de terrorisme. Parce que tu es complice des dégâts provoqués par cette action-là. Donc moi, je constate après, je fais un triste constat, tu vois, que ceux qui font la morale tout le temps ne font pas, c'est que malheureusement, il y a un petit problème, c'est que je suis de la même espèce que cet individu. Nous sommes de la même humanité. Nous partageons une condition d'humain. Et moi, je peux potentiellement faire ça, moi. Ça me renvoie à ça. Et donc, du coup, je l'exclus. Voilà. Donc, vous pouvez appeler ça du rejet, de la haine, de machin. Mais un individu qui est capable de faire ça, je fais le choix volontaire et conscient. C'est mon droit, bordel de pompe à cul, de l'extraire de l'humanité. Comme avec les jus de fruits. Je dis, je ne veux plus. Voilà. Parce que il ne peut pas. Alors, tu dis que c'est un animal? Ben non. Tu connais ma position sur la question. On est tous des animaux. Donc, moi, j'en ai rien à foutre. Et je précise aussi qu'on n'a jamais vu d'animal, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, héberger des terroristes. Donc, ou alors, faut avoir un chat. Parce que c'est vrai que le principe du chat, bon, c'est que là qui me casse les couilles d'ailleurs depuis une heure que je tourne cette vidéo, c'est que c'est vrai que c'est toi qui payes le loyer, mais dans sa tête, t'es locataire. C'est chez lui. Donc, théoriquement, s'il y a eu un terroriste qui avait un chat, on peut dire que le chat a hébergé un terroriste. Mais, non, il faut aller la chercher quand même. Mais pour en revenir à donc Jawad, je ne dis pas que c'est un être humain, c'est tout ce qu'il fait, caca, s'il a envie, tout ce qu'il veut. Mais moi, je l'exclus par contre de l'humanité, voilà, de mon humanité. C'est pour la préserver d'elle-même. Si on veut résumer un petit peu tout ça sérieusement, on pourrait dire une chose très simple. La justice
a acquitté un innocent, mais elle a libéré un monstre, par contre. Et aux yeux de beaucoup de gens, c'est un monstre. Mais parce que je pense qu'il est un monstre, réellement. Pour pouvoir faire ça à des gens qui sont en deuil, faut être un monstre. Je suis désolé, je ne veux pas que cette personne fasse partie de mon genre humain, ça ne m'intéresse pas. Donc à un moment, vous faites ce que vous voulez, mais moi je n'en veux pas. Et du coup, je pense que tous ceux qui disent « toutes les gens progrès, là, vous vous félicitez toujours », vous en faites pas un peu trop sur des fascistes qui existent, mais qui là ne représentent qu'une petite partie des gens qui se sont... Ah, il y a Jean Chiffre qui gueule, qui ont gueulé, quoi. Si on veut vraiment tirer quelque chose de positif de cette histoire, c'est un seul et unique constat. Si, et je parle à la justice, à l'institution judiciaire, pas à des juges, aux magistrats ou aux mecs qui étaient là. Si vous voulez pouvoir continuer à relâcher ce genre de monstres modernes, parce que ce sont des monstres comme vraiment notre société en fait, des gens qui ne peuvent pas là s'intégrer du tout à la société, qui ne le veulent pas, et qui le disent et qui le revendiquent à une barre, à un tribunal, si vous voulez... Que relâcher dans la nature ce genre de personnes, vous avez l'obligation morale de filmer les procès. Vous ne pouvez pas, vous venez de créer 100 000 complotistes, 100 000 personnes qui en plus, il n'y a pas une histoire de RG, 100 000 personnes en France, là, au minimum, en un claquement de doigts, qui disent, Jawad, le mec qui a logé Daesh, là, on l'a relâché. Vous avez l'obligation de filmer ces procès ou d'arrêter de faire chier vos mères avec vos histoires de complotisme. Et c'est là que vous allez me dire que ça s'est déjà fait, et donc raison de plus pour le refaire. Vous l'avez fait avec l'affaire Mera. À la limite, je peux comprendre le point de vue qui dit que c'est intrusif de filmer des gens dans leur procès de tous les jours. Je ne suis pas pour qu'on filme Monsieur Fion qui a trompé Madame Fion avec la concierge, machin. Je m'en fous de ça. Et à la limite, oui, ce serait une société du voyeurisme. Mais, par contre, pour les procès de terrorisme, vous devez les filmer, au minima. Vous nous avez cassé les couilles à sortir la France de la Convention européenne des droits de l'homme, à mettre en place, et vous le remettrez en place ponctuellement quand vous en aurez envie, puisque maintenant vous pouvez le faire en un claquement de doigts, un état d'urgence qui a restreint dans ce pays de façon définitive la liberté des artistes, qui a restreint la liberté de la presse de façon on ne peut plus définitive également. Vous avez remis en place des arrestations arbitraires dans ce pays. Vous ne pouvez pas imposer ça aux gens ou vous permettre de légalement l'imposer si, en contrepartie, le peuple n'a pas le droit de voir comment sont rendus les procès qui justifient ces censures, qui justifient cet état d'urgence et ce flicage. C'est absolument intolérable. S'il y a un combat politique à avoir, qui dépend justement de cette affaire-là, au lieu de se foutre sur la gueule et essayer de se dire qu'est-ce qu'il faudrait obtenir, qu'est-ce qu'il faudrait... obtenir dans ce pays pour avancer, je pense que c'est ça. Je voulais vraiment aborder en tout cas cette question avec vous ce dimanche. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. Je le dis parce que quand je dis pas de partager, on fait des vues. Et puis quand je dis de partager, on monte 13e dans les tendances. Donc du coup, merci à tous ceux qui ont fait ça l'autre fois. Et on peut peut-être aussi réussir à réitérer ce genre d'exploit de temps en temps. Mais moi, je ne vais pas vous casser les couilles en vous disant de partager ou de laisser des pouces bleus dans les épisodes de JSPC. Si vous aimez, vous partagez. Et si vous aimez pas, vous partagez pas. Voilà. Moi, en tout cas, je vous retrouve, ça c'est sûr, dès demain pour un nouvel épisode de Je suis pas content. Et puis après, il y aura encore un off sur un sujet que je voulais vraiment aborder avec vous. Et puis ensuite, résultat des sondages, le retour des chansons, plein de choses. Oh là là, il y en a, je sais plus quoi en foutre. Donc du coup, je m'y mets, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Merci Cognac J. À vous les studios.